Bonsoir, bonsoir. Allez, j'attends la première connexion. Ciao à tutti. Puisque peut-être qu'il y a des amis italiens qui nous regardent ce soir. Allez, j'attends les premières connexions. On attend, c'est en train d'arriver. Parfait. Alors, le temps que tout le monde arrive, vous avez pu, donc, pour ceux qui sont allés faire un petit tour sur mon mur Facebook, voir que j'allais faire un spécial années 80, alors un deuxième, parce que j'avais fait un spécial années 80 plutôt tourné sur les tubes. Là, ça va être des morceaux beaucoup, beaucoup moins connus. Alors, vous les avez peut-être entendus, enfin, surtout deux, ou trois même d'ailleurs, et peut-être moins les autres. Voilà. Donc, et vous avez peut-être vu aussi que j'avais fait une petite dédicace en italien, parce que sur justement les morceaux années 80, j'ai choisi le premier, en tout cas, le premier morceau, sur un morceau d'Eros Ramazzotti qui s'appelle Una Storia Importante. Donc je vais chanter en italien et donc je voulais faire un petit clin d'œil à toute la famille Rocking Mill, ce que j'avais déjà fait au départ. Voilà, puisque quand j'avais fait la dédicace à Rocking Mill au début, on ne savait pas, on s'en doutait, mais on ne savait pas que le concert au Stade de France allait être annulé. Donc là, ça y est, c'est tombé. Donc malheureusement, on ne se retrouvera pas cette année. On se retrouvera en 2021. Mais voilà, en fait, ça, on était quand même un peu triste. Un peu triste de ne pas se revoir, parce que c'est quand même une aventure formidable, avec des gens formidables. Et voilà, donc je voulais dédier la première chanson de ce soir, donc la chanson d'Eros Ramazzotti, à nos gourous. Alors les gourous, ce sont les personnes qui nous suivent tout au long de l'année, qui nous font les tutoriels vidéo pour qu'on puisse travailler chacun de notre côté. Et donc en fait, moi il y en a plusieurs. Alors malheureusement je ne connais pas les gourous de batterie, mais je suis plus sur nos deux gourous guitare, donc Claudio et Stefano. Et sur notre gourou chant, Augusta, qui est une star internationale. Voilà, et puis surtout, un petit coucou aussi à ma copine Marina Senna, que j'ai rencontrée donc à Rocking Mill l'année dernière, et avec qui j'aurais dû rejouer cette année. On était resélectionnés tous les deux, on aurait joué à côté, ce serait éclaté, et bon voilà, mais c'est dommage. Alors écoutez, la première, donc, dedizione per i miei amici italiani. Petite dédicace à mes amis italiens. Allez, à tout de suite. Io, pur di fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante, non volevo così ritrovarmi già grande. Ma proprio di più, una storia importante, è quello che sei tu, forse sei tu.
prenderti. La tua paura è anche un po' la mia. Forse noi dobbiamo ancora crescere. Forse è un alibi, una bugia. E se tu cerco ti nascondi, poi ritorni. Merci. Grazie. Alors. Donc tout à l'heure, coupe les effets. Je voulais donc faire une petite dédicace donc à nos amis italiens, mais aussi à mes amis français que j'ai rencontrés là-bas. Plus spécialement, bien sûr, à ceux qui étaient tout autour de moi, donc vraiment dans mon cercle. Donc j'espère n'oublier personne, mais donc je vais citer Anfa, je vais citer Alexis, que je viens de voir en live tout à l'heure. Salut mon pote, que je viens de voir tout à l'heure. Nicolas, David, Derek, Malek. Ma petite Karine adorée, François, avec qui donc j'aurais dû rejouer cette année, David aussi, mais plus à la guitare, à la basse, et bien sûr Tanguy, que je suis régulièrement, Tanguy est la personne dont je vous ai indiqué le lien vers les lives, qui nous fait des trucs extraordinaires. Et puis peut-être mais mon Michel Laborie, parce que c'est grâce à lui que je suis parti la première fois. Nous sommes partis tous les deux sur un beau, joli road trip, une aventure extraordinaire, et peut-être qu'on aurait pu remettre ça, il était sur liste d'attente, mais bon, voilà. Donc, coucou à tout le monde. Vraiment dommage, et j'espère qu'on remettra ça l'année prochaine. Le prochain morceau est un morceau de 1982 d'Alan Parsons Project. Alors, Alan Parsons Project, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la chanson que je vais faire, parce que je suis sûr que vous l'avez entendue. Voilà, c'est un groupe qui s'appelle comme ça, mais c'est une personne qui s'appelle Alan Parsons, qui était très porté sur la musique synthétique et qui a fait un morceau absolument fabuleux qui s'appelle « Eye in the Sky ». Alors moi elle est en deux parties cette chanson, il y a une intro qui s'appelle Sirius, mais bon là je commence directement sur la partie normale chantée, voilà, donc Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Follow me, knows what you're thinking.
me dira que j'ai su un bouffon. Alors, le prochain morceau, stop les effets, le prochain morceau est un morceau alors que j'ai attribué aux années 80 à tort, parce que c'était vraiment la limite, mais c'était fin 70 plutôt, est un morceau de Al Stewart qui s'appelle The Year of the Cat. Alors, je pense que pas grand monde a entendu ce morceau. Ben, c'est un morceau que j'ai adoré. Alors déjà, Al Stewart, il faut savoir que c'est un mec que j'ai écouté juste parce qu'il a exactement la voix du chanteur des Pet Shop Boys. Et j'ai cru, de loin, parce que j'avais entendu ça un peu de loin, j'ai cru que c'était un morceau des Pet Shop Boys. Voilà pourquoi je me suis intéressé au morceau. Et la mélodie est juste magnifique. Le morceau est très beau. Et voilà, ben, écoutez, je vais vous faire découvrir ça. Al Stewart, The Year of the Cats. Thank you.
petit réaccordage. Parce qu'un jour il pleut, un jour il fait beau. Et le bois de la guitare, il n'aime pas ça. Voilà, on y est. Allez, c'est parti. Thank you.
the best thing that you is to come. And you throw away the choice and lost your tickets, so you have to stay on. But the trumpet strain of the night remains with the rhythm of a newborn day. You know sometime you're bound to leave her, but for now you come stay. In the year of the cat, year of the cat, l'année du chat. Miaou. Donc, si vous avez envie, penchez-vous sur le la discographie d'Al Stewart. Donc, Al A-L et Stewart comme comme un Stewart. Alors, la chanson suivante. Chanson suivante de 1985. Est tiré de la BO d'un film absolument époustouflant de Luc Besson. Et il s'agit de Subway. Alors, ce film est juste à tomber par terre. Voilà. Comme en ce moment, on n'a pas grand-chose à faire et qu'il faut s'occuper, si vous avez surtout la possibilité, revoyez Subway. La scène dans le métro où le Black vient de se présenter pour faire l'audition de cette chanson. Elle est à couper souffle, la chanson est juste magique. Et notre ami Arthur Sims, ben, qui a chanté la chanson en 85, est mort deux ans plus tard, le pauvre. Il est parti en 87. Mais la chanson est à couper le souffle. Et c'est parti. It's only mystery. I cannot keep on smiling at the disguise. My heart is no beginner, but still I can't lose my temper. Oh no, how can we keep on watching that fucking TV? We don't even care what we see. Take our strength away and never shut us away. Oh no, but I think I know the answer.
It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. Allez revoir ce film de toute urgence. Alors, le petit dernier morceau de la semaine, puisque c'est le dernier morceau de la soirée, mais aussi de la semaine, est un morceau d'un groupe australien absolument fabuleux, créé par les frères Finn, Neil et Tim, qui s'appelle Crowded House. Alors, Crowded House, c'est juste une tuerie. Ça, c'est pareil. Hein. Crowded House, c'est la maison pleine de monde. Hein. Si vous cherchez Crowded, C-R-O-W-D-E-D, et House comme une maison. Allez voir ça, franchement. Allez jeter un œil sur leur discographie. Alors, je vais faire un spécial Crowded House, ça, c'est sûr. Mais bon, dans les morceaux un peu pointus que j'ai vus ce soir là, par rapport aux années 80, je voulais absolument placer ça. Et le morceau que j'ai choisi pour ce soir s'appelle « Better Be Home Soon ». Alors vous allez voir, c'est merveilleux. Donc « Crowded House, Better Be Home Soon ». Pushing me aside,
the switch on forever. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you better be home soon. Stripping back the coats for lies and deception. Back to nothingness, like a week in a desert. Pour Crowded House. Et donc, je vous confirme, je vais faire un spécial Crowded House parce qu'il y a vraiment des morceaux monstrueux. Celui que vous connaissez peut-être, c'est Don't Dream It's Over. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch your path to the paper cup. There's a battle here, but it battles all lost. But you never see the end of the road while you're traveling with me. And now, don't dream it's over. And now, c'était ça, don't dream it's over. Donc je voulais vous le faire, c'est sûr. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir été là encore une fois. Et bon week-end à ceux qui travaillaient et puis qui sont enfin en week-end. Bonne continuation pour les autres. Et puis on se retrouve lundi. Merci encore d'être fidèles. Et je vais rester chez vous. De toute façon, il va faire un temps de chiotte, donc restez chez vous. Et voilà, je vous dis à lundi. Et bye bye à tout le monde. Et gros bisous. Ciao.